Et bonjour à tous, ici BJ de retour pour une réaction à un clip de K-pop. Et aujourd'hui, bah, je suis content parce que c'est une des formations des NCT, les NCT Dream, qui sortent un titre. Alors c'est la formation des NCT la plus jeune et qui est faite surtout pour être un peu plus posée, un peu plus mignon, un peu plus cute. Mais il leur arrive de faire des titres qui, comme Go ou We Go Up, moi me parlent un petit peu plus. Parce que je vous avoue, je préfère quand c'est badass, quand ça envoie du lourd. Et j'avais surkiffé le titre Your First and Last, où dans le clip, ils sont tous amoureux de la même prof. Donc ça fait trois titres que j'aime, mais il y en a beaucoup qui sont trop mignons, trop doux pour moi. Donc je sais pas celui-là à quoi m'attendre. Le titre Boom peut laisser envisager que ça bouge un petit peu. J'espère que ça va bouger un petit peu parce que c'est ce que je préfère, hein, je le dis directement. Même si c'est mignon, j'essaierai d'un peu d'analyser le clip et de voir si ça me plaît quand même parce que ça peut me surprendre. En tout cas, c'est NCT Dream Boom qui est sorti quand ? C'est sorti le 25 juillet et on va commencer ça tout de suite. Une éclipse de lune. Le son et le rythme avec la voix qui fait... Ça, ça me plaît. Yes, 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 yes ! Faites ce genre de chorégraphie, j'adore. Bon, je sais pas comment ça va continuer... Mais le son qui commence là m'a l'air d'être un son de type de vidéo que j'aime, qui est vraiment cool en fait. Et d'ailleurs, leur attitude, leurs habits et les décors m'ont vraiment l'air d'être plutôt dans cet esprit-là. Ouf! Et ça, alors, bah attends, mais je vais revenir parce que j'ai envie de revoir le... Un peu comme dans les God Seven dans Eclipse, justement, qui faisait une chorégraphie avec les bras comme ça, qui était exceptionnelle. Ah, j'adore le son. Ça, c'est trop bien quand ils font ça. La caméra, en plus, qui les suit. Ah, j'aimerais bien qu'il danse pas mal dans le... Ouais, ça part bien. Ils sont partis sur du kaki, des vêtements amples. Yes, yes, yes. Oula, ils font de l'escrime, comment ça se passe? Bon, la voiture, moi je m'en fous personnellement, c'est joli. Oh, les pièces d'échecs qui bougent toutes seules. Ah, mais attendez, wop. Alors, est-ce que ça va être... Alors, peut-être que je pars en vrille comme d'habitude, mais j'ai l'impression de voir diverses activités qui ont l'air d'être des sports, mais pas les sports les plus physiques, les plus violents, même si l'escrime, ça peut être, je pense, très physique. Mais quand on voit une voiture, est-ce que ça a trait au sport automobile? Les échecs, l'escrime, ça peut faire penser à des types de sports qui sont des sports plus d'adresse ou intellectuels. Et j'ai l'impression que donc, ils se seront peut-être chacun des champions d'un de ces types de sports. Bon, les effets sont beaux avec la voiture quand même. La musique est super cool. Ah ouais, quand même, l'autre il faisait de la boxe, hein. Alors j'aime bien le fait que, au lieu de partir sur un truc encore plus violent, ça peut coller au NCT Dream, parce que même si c'est une chanson un petit peu badass cool, il reste sur de la douceur. Et je vais remettre le refrain, j'ai voulu écouter un petit peu. Mais ça reste sur de la... Alors peut-être que là, je suis qu'au milieu hein, du refrain et que ça va encore changer de ton ou de rythme. Mais c'est pas mal qu'ils aient fait ça comme ça. Vous voyez là, c'est quand même... C'est parti sur de la douceur à laquelle je ne m'attendais pas. Les pièces où ils sont, on dirait un château, là, c'est magnifique. Les livres qui volent, le piano, ils sont habillés super classe. Oh, la fleur qui brûle. Voilà la deuxième partie du refrain à laquelle je pensais... Pourquoi je répète mes phrases? J'en sais rien. On revient, et c'est là qu'ils disent boum. Ça veut dire qu'il y a une première partie, je sais pas si ça existe ou comment ça se nomme, du refrain qui est très légère, et ça part quand même sur un... Très bon, c'est très bien, regardez-les. Ils sont trop beaux, ils sont trop classe. Ils sont hyper stylés, j'aime beaucoup leurs habits là-dedans. Oui! Oh là là, les instrus et tout. C'est génial, ça y est, là je suis content. Et ce qui est étrange, c'est qu'on dirait que le drop, il est pas dans le refrain. Souvent, quand il y a un drop, c'est le refrain. Et là, vous voyez, il a fait sa partie du rap après les deux parties du refrain. Et ça repart sur un drop, sur le couplet en drop. C'est un très bon son. J'aime beaucoup. Parce que c'est un son avec une bonne basse qui bouge, mais qui part pas en vrille, en fait. Qui est vraiment là, posé.
Oh, les effets sont très beaux. D'ailleurs, attendez, je vais revenir parce que là, ils avaient des habits. Je vais regarder. Hein. Là, voilà, on dirait qu'ils sont chacun habillés. Il y en a un qui fait de la boxe. Je connais pas leur nom, hein, désolé à cette formation. Si vous voulez me les dire. Mais ils sont pas tous habillés pour faire du sport, j'ai l'impression. Est-ce que celui qui a des froufrous, là, c'est pour les échecs? En tout cas, il y a celui qui est en blanc avec les gants qui fait forcément de la boxe. Et l'escrime en plein milieu. Les autres n'ont pas l'air de... Est-ce qu'il y en a un qui serait affilié à la voiture l'avant-dernier? Peut-être le dernier, il fait de l'art, du dessin, il m'a l'air d'être un artiste. Le premier, il est juste classe, enfin, j'en sais. Là, il y a un petit son derrière qui est vraiment chill, en fait. Qui est très aéré. Je suis content, on les voit pas mal danser. J'aime bien quand on les voit danser. Yes. Ah, yes, j'adore cette partie du refrain. Trop cool. Ah, les effets stroboscopiques, on passe de l'un à l'autre. Des fois, on les voit à l'extérieur pour une raison que j'ignore. Mais bon, c'est beau. Est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un? Une bougie. Un pirate. Là, ils sont crevés. Là, ils profitent du break un petit peu. Du pont. Pour montrer leurs vocaux. L'autre, il avait une veste avec des os en surimpression. Ouais, c'était un artiste. Hein, il était bien en train de faire des peintures. Hein. Oh, les harmonies. Là, c'était vraiment le moment vocal harmonie. Hop, high note. Harmonie, lui, là, le deuxième en partant de la gauche. Même tous, en fait. Ils ont tous quelque chose en rapport avec les os, la piraterie, etc. Je suis en train de voir sur leur fringue. Des os sur impression noir sur blanc ou blanc sur noir. Allez, on se remet quand même un petit peu le vocal. J'ai pas envie de le regâcher à chaque fois. Ça parle de sport et d'art en fait, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'elle a cette rose depuis le début? Putain, le trône était trop beau. Oh, yay, yay! Oh, je remets, je suis désolé. Ça, c'était génial. Oh, mais c'est énergique, regardez-moi un peu cette danse de fou. Waouh, ils m'ont fait frissonner. S'il y a un dance practice, encore une fois, toujours dance practice. Oh là là, les pas de danse. Ils passent de habillé swag à habillé classe 19e siècle. Yes, yes, yes. Oh, je suis super content. Elle est bien mieux que ce à quoi je m'attendais. Je me suis dit, NCT Dream, c'est pile ou face pour moi. Parce que c'est pas qu'ils font des musiques que je n'aime pas. C'est que la plupart de leurs musiques sont... Je suis pas le public. Et il y en avait 3 que j'aimais, ça fait 4. Alors il y en a peut-être plus, hein, parce que j'ai pas écouté toutes les musiques hors MV qu'ils ont fait. En tout cas, celle-là, ben... Génial, ça me... Bon, voilà, j'ai pris énormément de plaisir. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Je vais vous laisser jusqu'à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Allez, ciao.